Hey les amis, c'est Xprod et aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur un nouveau let's play sur ma chaîne YouTube. Et je suis trop content, oui, on a Pokémon Soleil, et oui, enfin, donc désolé hein, pour le cadrage, je ne pouvais pas filmer avec un capture board, tout simplement parce que j'ai pas les moyens, et oui, donc je m'excuse, de toute façon j'espère que la qualité nouvelle ne vous gênera pas trop. Franchement, j'ai essayé de faire le mieux possible, je suis pour le cadrage, je suis vraiment désolé. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner qu'il y a des tremblements comme ça, parce que voilà. Voilà, comment je filme, regardez. Là, il y a ma DS, mes doigts, voilà. Donc voilà, vous voyez un peu comment je filme, voilà. Donc voilà, ça fait plaisir, du coup. Hop, quand il y aurait besoin de vous montrer, hop, je me mettrai comme ça. Et franchement, c'est parfait. Et qu'est-ce que j'ai eu? Eh bien sûr, j'ai eu un pack, en fait, tout simplement. J'ai acheté le pack Pokémon Soleil avec la 2DS. Et oui, du coup, il a été pré-installé, le jeu, automatiquement, sur la 2DS. Du coup, je l'ai pas rentré dedans, en fait. Il y est directement, comme vous le voyez. Et du coup, on va y jouer. Est-ce que vous êtes prêts, les gars, pour le début? C'est parti. Yes, je suis trop content. Voilà, vous voyez la caméra, c'est super. Je suis trop content, c'est abusé, c'est... On ne peut pas dire les... Ah là là, Pokémon. Waouh. C'est quoi ça encore? On va se calmer. Quel langage souhaitez-vous utiliser? Oh my god, je suis trop content! Oh my god, yes! Mais yes, ma gueule, yes! Yes! Oh, mais yes, je souhaitais tellement jouer à ce jeu! Ben, on va prendre le français, les amis. Parce que moi, je suis pas anglais, ni espagnol, ni de chinesh, ni italiano. Allez, vous êtes prêts, les gars? Le petit Pikachu sur le côté qui fait plaisir. Il fait plaisir. Oulalalala. Allez, français. Langue choisie. Commencez. Shit. Les paramètres ont été sauvegardés. My God. Appel entrant. Professeur en forme. Région d'Alola. Donc cet épisode va pas durer très longtemps. Hein, c'est juste le prologue. Oups, pardon, juste une seconde. Oh, la musique! Bonjour! Oh, la musique! Oh, je suis trop content. Franchement, laissez un maximum de likes pour ce let's play, les gars. Désolé, je suis un peu en retard depuis sa sortie, 23 novembre, mais c'est pas grave. Ça va, c'est pardonnable, j'espère. En tout cas, bonjour! Je me répète. Alors, tout est prêt pour ton grand déménagement à Alola? Voilà, je mets l'intonation et tout. Je suis trop content. Alola est une région composée de plusieurs îles. Une archipel, en somme. C'est peut-être pour ça qu'on a tant de Pokémon originaux. Ok, donc il y a 4 îles. Et ouais, à Alola, on a tout plein de Pokémon vraiment cool. Ce sont des drôles de bestioles, ces Pokémon. Oh, le petit rocabon, regardez le petit rocabon. Il est trop beau. On en trouve vraiment partout, du ciel à la mer, en passant par les grottes et les autres herbes. À Alola, l'entraide, c'est vraiment le mot qui décrit le mieux notre relation avec les Pokémon. Il y a même des dresseurs Pokémon. Disputer des combats Pokémon, c'est leur hobby. Rocabo, du calme. Je dois faire quelque chose d'important. Je m'occupe de toi après. Oh mais my god, écoutez-moi cette musique. Franchement, c'est cool. Ah, c'est cool, je suis trop content. Il est stylé, professeur Ofor, avec sa petite barbichette. Hein. Enfin bref, j'ai besoin que tu me confirmes deux ou trois trucs. D'abord, quelle est ta photo déjà? C'est laquelle ta photo déjà? Allez, on va lui montrer si on a un garçon ou une fille. Ah, je suis trop fort. Ok, bon. Ben moi déjà, je suis pas de cette couleur de peau ni blond. Je suis pas blanc de peau. Je suis comme ça, et oui, je suis métisse. Donc, on va prendre comme ça. Allez, c'est parti. C'est bien celle-ci? Oui. Ensuite, c'est à toi d'enregistrer ton nom. Ça m'ennuierait de faire une faute. Genre, en fait, tu fais genre, il connaît, mais genre, il sait pas comment s'écrit, tu vois. Quel est votre nom? Eh bien, on va rentrer notre nom. Allez, c'est parti. Ok. Pourquoi ça ne veut pas charger? Ah, ok, d'accord, c'est ici. Ok, donc là, comment on fait pour effacer? J'avais même pas vu, vous voyez. Mince. What? Oh, la musique, c'est abusé. Ok, donc on s'appelle... Oups.
Bon, je vais faire avec les trucs comme ça. Vous savez quoi, je vais prendre carrément le stylet. Ça, si ça vous gêne pas, hein, j'espère que ça vous gêne pas. Donc X. Du coup, on va s'appeler comme vous le savez. Ah, mais c'est en majuscule. Je veux pas que ce soit en majuscule là, par contre. Ok, donc X. Majuscule P. Minuscule Pro. Majuscule D. Minuscule C. X pour D, C. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ok. Yes, je suis trop content. X pour DC, c'est bien ça? Oui. Ok. Voilà, vous me voyez, coucou. Parfait, je vais transmettre ça à tout le monde. X pour DC. Oh, le petit Picasso. Ça, c'est du nom qui en jette. Yeah, merci, merci. Bon, on se verra à Lola, j'ai hâte. Moi aussi j'ai hâte, j'ai très hâte. J'ai très hâte, et oui j'ai très hâte. Hey, oh, c'était sur la télé. Non, c'était sur un ordi. X-Pro DC, il va falloir commencer à préparer les cartons. Ok, ok, donc là je déménage, c'est ça. J'avais pas encore déménagé, c'est ça. Ok, on a lu un journal. Ok, d'accord. Cinématique, d'accord. Ok, donc ça, j'ai commencé à voir un peu d'épisodes des youtubeurs et donc ça, celle-là, cette fille, je sais qui c'est. Je vous le dis pas, mais je sais qui c'est. Et ce Pokémon qui est à l'intérieur, je sais qui c'est aussi. Hey! Ok. Il court après. Ça doit être méchant, non? Peut-être, je sais pas. Ok, donc là, elle est Keblo. Où est-ce que je vais aller? Oh, je ne sais pas du tout. Et du coup, le deuxième épisode sortira, et ben, dans plus longtemps. Et oui, je vais pas faire un épisode par jour. Enfin, après, dans un mois, je vais faire un épisode par jour. Mais là, ça va être le premier épisode, juste une avant-bouche. Et oui, désolé, hein. Wow, my god, Pokémon Soleil! Yes! Présenté par Game Freak. Yes, Pokémon Soleil. Pokémon, 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, d'accord. Ok. Wow, my god. Ça, c'est quoi ça? C'est Alola? Enfin, ouais, c'est une île d'Alola. Ok. Encore une cinématique. J'espère que la qualité ne vous gêne pas. Pas trop. Hein. Je sais qu'elle est pas terrible, mais bon. Voilà. Et les sons aussi, j'espère qu'ils sont assez bien. J'ai mis volume maximum hein, pour que vous entendez bien. Wouhou! C'est qui ça? C'est notre... Oh, il y a un miaouss! Ah ouais, maman. Ok, donc c'est notre mère. Ah, notre première matinée à Alola. Le soleil brille, c'est tellement agréable. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a des cartons à déballer. Miaouss, sois un amour de Pokémon et va me chercher X-Pro DC. Miaouss! Oui, petit Miaouss. Ça me fait bizarre de voir un Miaouss qui dit son nom, parce qu'en fait, dans l'animé, il y a un Miaouss qui parle. Du coup, ça me fait bizarre. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi. Je sais pas, ça me fait bizarre. Ça, c'est notre chambre, c'est ça? Miaouss! Ouais, c'est notre chambre. C'est notre chambre. Oh, on dort. Ok, normal. On dort. Et Miaouss, il va nous réveiller avec combo griffe. Super, non, je... Miaouss! Ok, et donc... Ah ok, donc, ah oui, ok, ah ouais, on perd pas de temps. Oh yes, oh my god. On marche comme un robot, c'est trop stylé, qu'est-ce que tu vas faire mon gars? 1, 2, 3, 4 et 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 1, 2... Ok, c'est bon, j'arrête. Ok, donc, ouais, c'est super. C'est une Wii U, il y a même un gamepad avec un écran, ok. Moi je dis, il y a du placement de produit. Trop fort, c'est une poupée à l'effigie de Pikachu, le Pokémon souris. Bon, je regarde un peu ce qu'il y a, on va parler à Miaouss. Oh, on se baisse, regardez Miaouss.
Ok, donc là j'ai vu qu'on pouvait prendre carton. Ce sont des cartons qui n'ont pas encore été déballés depuis le déménagement. Ok. Ok, donc franchement c'est cool comment on se déplace et tout. Moi je regarde un peu, parce qu'en fait depuis le début je regarde sur le rendu de la caméra, mais je regarde pas de mes propres yeux et c'est encore plus beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Le pouf métamorphe et le poké plumé préféré de Miaouss sont tous deux couverts de griffures. Ah ouais, ok. Non, franchement, c'est cool. Ok, donc on sort des jouets, je renifle un peu. Ok, donc ça c'est chez nous, super. On a une grande maison, c'est super. Ah, notre maman. Eh bien, mon chéri, tu dormais comme un ronflex. Maintenant que tu as récupéré, tu dois être d'attaque. Et je parie que tu as hâte de découvrir les Pokémon d'Alola. Oui, carrément, il n'y a pas le feu. Oui, carrément. Oh oui, maman a drôlement hâte, elle aussi. Youpi! Alola. Ok, je croyais. Alola, c'est vraiment une région paradisiaque. Oh, ce serait tellement bien si dans la vraie vie, c'était ça, au lieu d'aller en cours, tu vois. En cours, tu t'ennuies tellement. Là, tu vas chasser des Pokémon, s'il te plaît. Non, mais allô? T'es où? Où va le monde? Je suis sûr que tous les Pokémon d'ici sont d'une nature joueur et guilleré. Oh, ça sonne. C'est sûrement le professeur Euphorb qui sonne à la porte. Peux-tu aller lui ouvrir? Oui, on va aller lui ouvrir. Hop, c'est par là, c'est ça? Ok. Euphorb. Bon, je pense qu'après, on va bientôt s'arrêter, hein. Et ouais, désolé, les gars, c'est juste pour une avant-bouche. Tu vas être expo d'essai, je parie. Ravi de te rencontrer en vrai, man. Moi, c'est Euphorb. Content de vous voir ici, à Alola. Ça a été le voyage. Attendez, je vais baisser un peu, parce que j'ai l'impression que c'est un peu fort quand même. Je baisse un peu le volume. Voilà. Pas trop fatigué par le décalage horaire. Kanto, Alola, ça fait une trotte. Mais vous avez vu ce soleil, il tape, hein. Ah oui, on vient de Kanto, comme d'hab. Très cher professeur Euphorb, nous sommes arrivés hier. Hey, salut. Bienvenue à Alola, chaleur et farniente, tout ça. Professeur Euphorb, je me souviens encore de vos combats contre les champions de Kanto. Franchement, dites-moi dans les commentaires, hein, si j'ai des trucs à améliorer niveau lecture ou je sais pas quoi, si je mets plus l'intonation, si je mets moins l'intonation, je sais pas. C'est en les regardant que je suis devenu fan des Pokémon d'Alola et que j'ai décidé d'emménager ici. Ah oui, à la base j'étais venu à Kanto pour étudier les capacités des Pokémon locaux. Mais je me suis pris au jeu des combats. Les champions m'en ont fait baver. Haha. Oh, X3DC, si on allait visiter le village voisin, juste toi et moi. Le doyen de l'île est là-bas. Qui sait, il t'offrira peut-être même un Pokémon. Oui. Le doyen de l'île, un Pokémon. Un Pokémon? Oui. Ouais, tous les enfants de Lily reçoivent... Ok, donc là, on est dans une île qui s'appelle Lily, c'est ça? Donc, tous les enfants de Lily reçoivent leur premier Pokémon des mains du doyen de l'île. Avant de partir à l'aventure. Le doyen ne fait pas que donner des Pokémon, c'est aussi un dresseur hors pair. Oh, le doyen va lui donner un Pokémon. Comme c'est gentil de sa part. X3DC, prépare-toi vite à sortir. Hop, hop, hop. Va chercher ton sac et ta casquette. Ils sont dans un carton dans ta chambre. Et n'oublie pas de consulter l'ABC Aventure sur ton bureau. C'est quoi ça, l'ABC Aventure? Oh, tu portes la casquette comme moi. Trop cool, j'ai hâte de voir ça. Yeah, man. Ok, donc elle est où notre chambre? Est-ce que c'est là par hasard? Parce qu'on sort de là, je crois. Hein. Je crois qu'on sort de là. Oui, c'est bien là. Donc ça doit être ça, le carton, justement. Vous inspectez le carton de déménagement. Vous prenez votre casquette et votre sac. Et oui, oh, j'espère qu'on va être trop scié. Attention. Oh là là, déjà le sac et la casquette, attention. Yeah, man, style Pokémon, tu vas en faire quoi, frère? Ouais, on est trop stylé, oh my god, on est trop stylé. Je suis trop content. Ah, c'est trop cool, franchement, c'est trop cool. J'avais tellement hâte de me faire un let's play comme ça. Tu as tout ce qu'il te faut? Alors, vas-y. Ta main honnête va ranger tous les cartons pour que la maison soit toute belle quand tu reviendras avec ton nouveau Pokémon.
D'accord. Trop cool le couvre-chef, ça te va bien. Merci. Miaous. Ha 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 ha, c'est drôle hein. Oh miaous, il fait miaous et il rigole. Ta mère a l'air d'avoir drôlement hâte que tu ramènes un Pokémon. Dans ce cas, cap sur Lily. Donc cap sur Lily, on va aller voir le doyen qu'il te file un petit Pokémon bien cool. Yes, donc ça doit être les starters. Franchement les gars, je ne sais même pas quel starter prendre parce que franchement, au début, je suis parti sur Flamiaou. Et oui, Flamiaou. Donc franchement, j'avais vraiment Flamiaou dans ma tête. Mais depuis, j'ai commencé à avoir des petits trucs avec Brindibou, je sais pas. Je commence à avoir des petits faits pour Brindibou. Franchement, je sais pas. Du coup, on verra ça dans le prochain épisode, les gars. On va juste aller voir dehors ce qui se passe. Est-ce qu'il va y avoir une cinématique? On va aller voir dans le jardin, le petit palmier, ok. On sait jamais, hein, s'il y a des trucs. Cher Expro DC. Ok. On a un garage et tout. Stylé. Non, franchement, c'est cool. Bon, les gars, je pense qu'on va s'arrêter ici, juste ici. Du coup, je pense qu'on va se retrouver dans... en fait, j'ai envie de continuer. Non, je regarde. J'ai envie de continuer 5 minutes. Allez, on va continuer. Hey, tu vas où, là? C'est par ici. Ah, ok, c'est par là. Je suis allé du mauvais côté. D'accord. Est-ce qu'on peut courir? Oui, on peut courir. Cool. Cool, on peut courir. À nous deux. Tout d'abord, laisse-moi te souhaiter à nouveau la bienvenue à Alola, le paradis des Pokémon. Ici, à Alola, les humains et les Pokémon vivent en harmonie et unissent leurs forces. C'est simple. Dès que tu as un Pokémon avec toi, tu peux aller où bon te semble. C'est la liberté totale. Raison de plus pour aller voir le doyen au plus vite. Ouais, moi je veux mon starter, allez! En route pour Lily, t'inquiète, c'est à deux pas d'ici. Allez, suis-moi. Ouh là 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 là! Je suis trop content. Oh, le petit Rockabo, c'est mignon. T'as l'air d'arpenter les sentiers d'Alola, toi. Tu veux un bon conseil? Appuie sur le bouton B quand tu marches et tout ira bien plus vite. Ouais, je viens de remarquer. Et le petit mince. Ah, je viens de lui reparler. Moi, je veux parler au Rockabo, moi. Oh! Ok. Moi, je vais aller ici. Ouais, c'est vrai que c'est mieux de courir. Toi, on va te parler. Ok, donc là, c'est plus éclairé. Du coup, la qualité est plus forte. Enfin, plus forte. Moins forte. Enfin, justement, vous voyez peut-être moins bien les visages, justement, parce que c'est moins éclairé. La technologie ne cessera jamais de m'impressionner. Maintenant, tu peux échanger des Pokémon avec les gens autour de toi et les défier. En combat à l'aide d'un simple bouton. On n'arrête pas le progrès. Ah ouais, ils perdent pas de temps, eux. Oh my god, la vue! J'ai un peu trop vite, non? Je sais pas. Bon, vas-y, on continue, on est des fous. Ok, donc il est là. Bon, je pense qu'après cette cinématique, on va s'arrêter, hein. Hey, ExproDC, alors tu penses quoi d'Alola? C'est cool! Ouais, il y a... Des fois, je m'embrouille. Ouais, il y a que des bonnes vibes. Ici, t'as encore rien vu. Ah là là, je fais comme embrouiller des fois. Oh oh, regardez qui voilà, un petit dresseur bien de chez nous. Professeur, dites-moi quelle capacité... Professeur, dites-moi quelle capacité je dois utiliser pour gagner. Eh bien, la bonne capacité, c'est celle qui te paraît être la bonne. Facile. Reviens me voir quand ton Pokémon aura appris de nouvelles capacités. On fera un combat pour voir. Ok. Oh là 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 là. Oh, le petit Pikachu. Moi, je veux absolument dans ce let's play mon Raichu. Je veux mon Raichu d'Alola. Je le veux. Comment tu peux... Comment tu peux le voir? Tu peux t'aventurer... Comme tu peux le voir, tu peux t'aventurer dans les hautes herbes avec ton Pokémon pour tenter d'attraper des Pokémon sauvages. Ok, je vais me concentrer un peu sur la lecture. Yeah, c'est cool. Oh, Miaouz d'Alola, regardez. Vous voyez peut-être pas bien, mais il y a un Miaouz d'Alola. Bon, il est dégueulasse, mais voilà. On a vu un Pokémon d'Alola. Et une fois que tu as composé l'équipe de tes rêves, tu peux affronter d'autres dresseurs. En avant, mon glouton. Mon glou. Tadoum. Hé, le nouveau, viens te battre contre moi dès que tu pourras.
Ouais, t'inquiète. Haha, y a pas à dire, les Pokémon, ça crée des liens. Bref, Lily est juste là, en route. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Je pense qu'on va se calmer un peu, mollé, hein. Hein? En fait, j'ai envie de continuer. Vas-y, j'en ai marre. Bon, allez, on va, allez, pour vous faire plaisir, on va continuer. Allez. Et voilà, on est arrivé à Lily, tranquille. Ah, c'est vraiment trop cool. Parce que moi, j'ai même pas envie d'arrêter. Les habitants de ce village vénèrent un Pokémon appelé Tocorico. Tocorico? C'est le gardien, ouais, c'est là. C'est lui, le gardien de l'île de Mélémélé. Oui, donc on est bien à l'île de Mélémélé. Où nous nous trouvons. Touloulou. Bah mince alors. Où est Lily? Elle m'a posé un lock-pin quand même. Tu vois, là, à ce moment-là, j'ai envie d'aller dans la 2DS, de rentrer dans Pokémon Soleil et de le taper, tu vois. De donner des petites baffes comme ça. Euphorbe, réveille-toi, non mais oh. Un lock-pin, mais n'importe quoi, un lock-pin, mais où va Pokémon? Bon, j'avoue, c'est drôle, mais voilà. Ça, tu vois, c'est les blagues de Hitekev, ça. Hitekev, tu te reconnaîtras dans cette vidéo, eh oui. Ah, elle a dû partir explorer le sentier de Mahalo, derrière le village. Il y a de vieilles ruines liées à Tocorico, là-bas. Ça doit être pour ça. Ok, Tocorico. XproDC, ça te dérangerait d'aller voir le doyen de l'île tout seul? J'ai resté là au cas où mon assistante pointerait le bout de son nez. Et t'en fais pas, le doyen, tu le reconnaîtras quand tu le verras. Ok. On va aller visiter ce petit village. Là, hop, on va rentrer dans la maison. Ils peuvent nous donner peut-être des trucs, hein, on sait qui c'est. Faut toujours visiter les maisons. On raconte que nos ancêtres ont bravé les dangers et les océans pour arriver jusqu'à Alola. C'est avec l'aide des Pokémon qu'ils auraient développé cette région. Ok. Nous avons tous une relation différente avec les Pokémon. Pour certains, ce sont les partenaires de combat, mais pour d'autres, ce sont des véritables compagnons de vie. Moi, c'est les deux. C'est la base, arrête, c'est la base. Ok. Bon, ben, ok, ils nous donnent un peu d'informations sur les Pokémon. Hein. Allez, on va aller lire ça. Lily, un lieu d'accueil pour les Pokémon. Ok. Oh, là, on va aller parler après. On visite un peu, hein. J'espère que vous aimez bien hein, de visiter. On prend notre temps. Mon Rocabo, c'est le meilleur des gardes du corps. Il vient toujours avec moi pour faire les courses. Et il reste devant ma porte quand je dors. Oh, c'est mignon. Ouh. Bon, j'ai toujours parlé au Rocabo, je sais pas pourquoi. On va aller voir madame. Ce Rocabo était un Pokémon sauvage, mais il est bien habitué à la vie à la maison. Rien ne me rend plus heureuse que le voir s'amuser avec ma fille. Attends, mais c'était une fille? Ah oui, j'avais pas remarqué, je croyais que c'était un garçon, moi. Ok. J'avais même pas remarqué. On va parler... Là, c'est un garçon. Voilà. J'adore les hautes herbes. On sait jamais sur quel Pokémon on va tomber. Moi aussi, j'aime bien. Avoir mes petits Pokémon à mes côtés me rend si heureuse. On mange ensemble, on joue ensemble. C'est un vrai bonheur. Et oui, c'est la vie. C'est la vie des Pokémon. C'est beau. Ok, donc toi, on va te parler, le gros, là. Quand je laisse la fenêtre entrouverte la nuit, j'ai l'impression que le marchand de sable se faufile dans ma chambre pour m'endormir. Mais cool ta vie, c'est bien. Pokémon ou humain, on ne dort bien qu'avec le ventre bien rempli. Après une bonne nuit de sommeil, on se sent en pleine forme au petit matin. Bon, il y a personne qui me donne des objets, je sais pas moi. Donnez-moi des trucs, genre. Moi, je veux des trucs. Toi, tu me donnes un truc? Mon petit frère adore se rouler dans la boue avec son Pokémon. Quand je le regarde, je me demande si c'est moi, son frangin, ou si c'est son Pokémon. Oh, il t'a abandonné ça. Mon Rocabo adore frotter les cailloux qu'il a sur le cou contre ma jambe. C'est mignon, mais ça fait un peu mal quand même. Ah ouais. Wouf. Ah, cette fois, il a dit wouf, il a pas dit ro. Bon, ok. Super. D'accord. Ok. Et toi? Tu reconnaîtras le rien en premier, crois-moi. Ok. Bon, ben on va avancer. Allez, c'est parti. Doudoudoum. Juste envie de... désolé pour le bruit d'une chaise, parce que... Voilà. Alors, eh bien, quelque chose t'intrigue
Par contre, j'arrive pas juste à... Voilà. Donc, désolé. Hein. Eh bien, quelque chose tendrait de... J'essaie juste de me caler le mieux que je puisse pour bien voir. Eh bien, quelque chose t'intrigue, Aurin. Ok, ben on va aller voir. C'est quoi ça? Stylé. C'est une arène, c'est ça? Bon, je prends mon temps, hein. Et oui, je prends mon temps. Je regarde un petit totem et tout. On peut pas rentrer, c'est ça? Pectorius, le doyen de Mêlée, c'est le dresseur le plus balèze de l'île. Mais il n'est pas là pour le moment. Peut-être qu'il entraîne un disciple quelque part. Quand il fait beau, j'aime laisser le vent diriger mes pas. Ok. On dit que si les Pokémon nous sautent dessus dans les hautes herbes, c'est pour essayer de nous sauver. Quelle étrange créature. Je sais pas, hein, pour nous sauver de quoi. Qu'est-ce qui est dangereux dans les hautes herbes? Qu'est-il dangereux? Bon, ben, on va aller voir la meuf, là, hein, du début, d'ailleurs. Elle était au début dans le prologue. Sentier de Mahano. Ok. C'est hyper bien fait, c'est abusé. Franchement, je kiffe. Je suis en plein kiff, là. Oups. J'avais mal cadré. Désolé. Ah, c'est stylé, hein, c'est stylé. S'il te plaît, ne sors pas du sac. Si quelqu'un te voit, nous aurons des ennuis. Pourquoi? Ah, mais oui, c'est vrai, je sais qui c'est. C'est vrai. C'est vrai, je sais qui c'est. Pourquoi elle court? Oh, regardez, voilà celui. Il est bizarre ce Pokémon, n'empêche. Hein. What? Des piafabec. Mais on peut pas les affronter. On peut pas les affronter vu que on n'a pas de Pokémon. C'est ballot la vie, hein. Allez, vite, on va aller la voir. Peut-être traumatisé. Trois petits points. Quelque chose ne va pas? J'ai besoin de ton aide. Sauf Doudou, je t'en prie. Ok, donc il s'appelle Doudou. Elle l'appelle comme ça. Piou, you, you. Ces Piafabek sont en train de l'attaquer, mais j'ai trop peur d'y aller. Mes jambes refusent de bouger. Oh, Froussard. Froussardine. Oh là là, c'est drôle. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein. Si vous avez compris, Froussard, Froussardine. Je suis drôle, hein. Vous avez vu comment je suis drôle? Je suis drôle. Oh, la cinématique, on protège et tout. Ah, c'est cool. C'est trop bien fait. Boum. Mais il nous a tués, là, non? Malade. Ok. Oh, c'est Tocorico, le gardien de l'île. Tocorico. Yeah, man. Oh, il a trop la classe. Tocorico. Il a trop la classe. Franchement, il a trop la classe. Et il est trop la classe, ce Pokémon. Oh, je le veux trop. J'ai envie de le capturer, lui. Piou. Oh, quelle frayeur. Tu as encore essayé d'utiliser tes pouvoirs, mais enfin, tu sais pourtant que ça donne rien. La dernière fois, tu étais tellement épuisé que tu n'arrivais même plus à bouger. Je ne peux plus jamais te revoir comme ça, Doudou. Je me sens tellement coupable. Je sais que tu as fait ça pour me sauver la dernière fois. Et dire que moi, je ne suis même pas capable de te protéger. Piou. Qu'est-ce que... C'est... Oh, c'est quoi? Moi, je veux... C'est à moi. Piou, piou. Tu as trouvé une pierre qui brille, Doudou? Oh, elle est tiède. Merci pour ton aide. Merci du fond du cœur. Grâce à toi, nous avons évité le pire. Tu as ma gratitude éternelle. C'est toi la doyenne ?
Tu es qui au juste? C'est toi le doyen. Cette pierre te revient, je suppose. Oui, c'est quoi? Enfin, on a un truc. Vous recevez la gemme lumière! Ok, cool. La gemme lumière. On a une gemme. Vous mettez la gemme lumière dans votre poche objet rare. Pourrais-je te demander de ne parler de ce Pokémon à personne? Je voudrais que tu gardes tout cela secret. C'est vraiment important. Doudou, rentre vite dans le sac. Piou! Pardon, mais j'ai peur que Doudou se fasse à nouveau attaquer. Est-ce que tu voudrais bien nous accompagner jusqu'à la place du village? Bon, les gars, je pense qu'on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je pense que les prochains épisodes seront dans à peu près un mois. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao !